toute petite parenthèse pour présenter cette vielle qui fait ce soir son tout premier concert, parce qu'elle a été sortie ce matin des vitrines donc de l'exposition Imagerie médiévale à la Maison de Pays de Charavine. Donc c'est une vielle qui m'a été commandée, parce que je suis luthier, nous faisons tous les instruments, mais c'est mon activité principale. Elle m'a été commandée spécialement donc, par l'association Alpenutam qui a co-organisé l'exposition. Donc je vous demande de l'encourager, c'est son premier concert. Tu peux dire qu'elle est en chaîne et l'histoire du chevalet, tout ça, voilà. Ah oui, voilà. Donc, petite précision archéologique. Elle est entièrement fabriquée en chêne, en bois de chêne. L'idée d'utiliser le chêne, c'était que tous les instruments, la plupart des instruments, des objets et des instruments de musique retrouvés dans les fouilles, de célèbres fouilles de Charavine, sont en chêne. Donc je suis allé chercher du chêne dans le pays pour fabriquer cet instrument intégralement en chêne, dont la table d'harmonie, qui est une particularité. Donc vous allez voir ce soir si elle sonne ou pas, en chêne. Et le cordier, donc le fameux cordier de Lambert, donc, qui a été retrouvé donc, dans le château de Nacastelloz. Voilà. Donc il y a une reconstitution, hein, c'est pas le vrai. Et le chevalet aussi, une copie d'un des chevalets qui a été retrouvé dans les fouilles de Charavine. Donc c'est un instrument archéologique. Et le modèle est tiré de Saint-Donat-sur-l'Herbasse. Donc c'est un cloître. La magnifique sculpture quoi. Voilà, où on voit un jongleur en position de danse, il est comme ça à peu près. Et il tient cette vielle ici, qui a à peu près cette proportion-là. Donc c'est le modèle quasiment exact. Ça vaut le coup de passer là-bas. Voilà. La vie est là qui en est bon.
bella e si cundi buflei, si becu pensi fei sere le cre. I ben pensi fei sere